sur des jeux. You remember our venerable house? Ok. Pire, je joue plus longtemps. Non, mais je vais pas faire plus de 10 heures par jour, alors que le défi, c'est 10 heures par jour. Coco! Du coup, je sais pas ce qu'on avait prévu d'envoyer comme expédition, là. Je crois qu'on avait prévu d'envoyer la Dream Team, malheureusement, se faire casser la gueule. Alors, la Dream Team, il y en a qui étaient... Ouais, y en a qui étaient en train de se faire soigner et tout. Soit on renvoie une équipe de Nulos, soit on peut recréer une nouvelle Dream Team qui part dans le noir, soit on essaye d'envoyer eux là. Quoique lui il fait quoi lui? Lui il est placé en quoi? Il est quelque part là? Ah oui. Soit on tente d'envoyer les level 5. On peut tenter une mission level 5. Quoi, Don't Touch la Dream Team? Tu joues à Dust Force, trop bien. Bonne nuit à ceux qui sont où. Non mais demain on fera des chiffres sur des jeux, on n'a pas le temps. Enfin, 1h40, je vais avoir le temps de rien faire. Envoyer équipe level 0 à jeter en donjon level 3, mais non. Est-ce qu'on envoie des gens dans le wild? La crique, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, hein, on va dire. À vrai dire, pas level 5, tu vas te faire casser le cul. Pourquoi level 5, je me ferais casser le cul? Sauf si tu as les skills et armes, armure au max possible. Bah, il me semble, hein. Il me semble bien que mes level 5, ils sont pas nuls à chier. Hein. Théozen, ça rigole pas. Hein. Théozen, il est là. Mais attends, c'est la forge que je voulais voir. Théozen, il est totalement là. Urek. Bon, Urek, on s'en fout de comment ça tape. The Lords. Bon, il était pas là, mais maintenant il est là. Sinkinet. Bon, il était pas là, maintenant il est là. Et Oz, pareil, il est là. Je pense un petit level 3 pour repérer tes persos, c'est pas mal. Ouais, faudrait retourner dans la crique là. Ils ont pas tous leurs skills au max déjà. Mais non, mais les skills, regarde. Elle a tout ce qu'il faut. Ah oui! Ah oui, tu veux dire, il vaudrait mieux que j'ai d'abord ça. Mec, ça coûte trop cher. Fais pas ça, ils sont stuff level 3. Ah d'accord, faut d'abord. Ah, faudrait d'abord que j'augmente. Ok, d'accord. Ok, bon, on emmène les level 4 alors. Enfin, les level 3. On peut enlever on peut emmener les level 3. On peut emmener le Christian. Avec genre lui là. Avec genre Frolic. Et Redar. Ça c'est l'équipe de la vie ça. Ça c'est l'équipe de la vie qui va faire une mission de level 3 dans les ruines. Ou dans la tanière. Plutôt dans la tanière je pense. Éliminer un roi porcin. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Fais-le, upgrade, c'est la vie. Et en plus, ça, t'as pas de bonne combo pour faire des gens level 5. Oh là là, les backseaters de l'infini, vous vous saluent, quoi. Moi, mes équipes, elles sont très bien. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont, mes équipes? Moi je dis ça passe. Cette équipe elle passe tout là. Ça ça passe. Le roi porcin, est-ce que ça passe? Moi je pense que ça passe. Oublie que t'as aucune chance et fonce. Clairement lui il est bon. Lui il est bon. Lui. Bof, mais ça va. Lui, ça va. Et elle, elle soigne à l'infini maintenant. Le roi porcin 2 passe jamais. La durée de vie de ce jeu est satisfaisante, ça devient pas redondant avec le temps. Moi, je trouve satisfaisant. Tout le même temps qu'il est sur du Dark Souls, on vient de reprendre.
Mais si, mais mec, ça passe 100%. Regarde le Christian, là. On lui met... on lui met le tir au pistolet, comme ça. Frolic. Le ciblage, on s'en bat un peu les couilles. In shape, il a tout ce qu'il faut. Et elle, pareil. Non, mais ça passe. Moi, je dis ça passe. On va pas faire ça. C'est une... Ou alors, on fait la mission longue. C'est vrai qu'on pourrait faire la mission longue et partir avec une équipe de niveau 4. Ce serait peut-être plus intéressant. Parce que là, ils sont quand même que niveau 3. On va plutôt faire la longue. On va plutôt faire la mission longue, explorer 90% des pièces. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. La longue, on l'a fait 100%. Le ciblage, on s'en bat les couilles, c'est primordial. Tu vas te taper un monstre à 50% de prot et tu seras gros gens comme deux. C'est l'emmerde, la longue, non? Le sang sert à quoi? C'est pour l'extension. Allez, easy! Donne-leur des trinkets. Mais ils en ont déjà. De toute façon, j'ai pas mieux en trinket. Oh putain! 90% des pièces! Oh vraiment? On va faire ça. Hein. On va laisser la pièce qui est à droite. Quoi qu'on pourrait laisser les pièces avec combat. Hein. Mais là, il y a une strat, c'est faire ça, ça, aller tout à droite, tout à gauche et tout à droite. Bon, ça va peut-être être chaud. Moi, je suis serein. Je suis toujours aussi serein, parce que je sais que ça va être une bonne équipe. Enfin, vite fait, quoi. Tant que la Vespal soigne bien, on est bien en vrai. Les deux dans le coin, tu les laisses. Ça, celle-là et celle-là, je les laisse, c'est bon. Sans doute tout ce qu'il reste d'un autre aventurier. Bah, nique ta mère. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. C'est tellement le bout. C'est tellement le fond du fond. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. L'important, c'est que vous vous inquiétez pas. Que vous inquiétiez pas. T'es 95% de résistance à... Oh la vache. Rocher marqué en haut à gauche. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Ne paniquez pas. Tout va bien se passer. Aïe. Ouh. Pardon. Saigne. Merci. Mais putain, mais il meurt pas. Oh merde, c'est pas grave. Son lui meurt de saignement. Ok. On va falloir commencer à taper le centaure, hein, il a NPV donc. Ouf, ça va faire mal ça. Esquive là-dessus, t'es sérieux? Inspiration and improvement. C'est bien. Pourquoi elle a heal que 3 alors qu'elle a des putains de compétences de heal?
On va te marquer, tu vois. Tu vas comprendre ta douleur. Aïe, aïe, aïe. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Easy. Easy peasy. Je vous ai dit, ça va le faire. Hôtel obscur affichant d'outrage au crâne et en émane un étrange pouvoir. Ah, j'ai pas pris d'eau bénite, putain. Bon, bah voilà. Le centaure, on lui a cassé la gueule. D'ailleurs, mais non, mais InShape, il a... Putain, mais ils ont pas de nom. Frolic, le Christian, InShape, qu'est-ce que c'est que ça? Vite, le chat, vite. Vite, qui veut un nom? Steph l'ours, il est trio. Steph l'ours, t'as déjà eu un nom, toi. Dans ceux qui n'ont jamais eu de nom, là. Actuel, t'as déjà eu un nom. Qui n'a pas eu de nom? Ilestrio, t'as pas eu de nom? Steph Lours, je suis pas sûr. Et Théozen, t'as déjà un nom. Donc on a Becca, Ensama, Ilestrio et Steph Lours. À moins que Steph Lours, il en ait déjà eu. Apparemment, il en a déjà eu. Ilestrio, Becca, Ensama. Et du coup, Greninja. Becca, Ensama. Et qui d'autre? Il est strios, hein? Ah merde. Jamais, dit-il. Bon bah, Becca, Ensama, rip. Bon, Greninja, rip. Si Steph Lourdes n'a jamais eu de nom, rip. Mais t'as bien. Steph Lourdes, t'as jamais eu de nom, t'es sûr. Vous avez intérêt à carry maintenant. Mais jamais. Ok, d'accord, d'accord, bah, je te crois. Griffonner sur ce qui semble être de la peau humaine tannée. Ennuyeux est inintéressant. Bah merde. Là. Vous avez intérêt à carry vos mères par contre. Hein. Bah là, faut carry. Allez, vas-y. Infection, c'est bien. Oh non, on chope pas des maladies, s'il te plaît. La maladie du cul. Ils ont tous tapé avant moi. Au moins maintenant je peux organiser mon tour, c'est cool. Ah bah non, puisqu'elle est étourdie, c'est sympathique. Toi tu vas faire une avancée de dueliste sur... sur le mec au fond là. Très bien. Toi, tu vas te soigner antidote là. Et ensuite, tu vas faire un châtiment sur lui. Ensuite, Frolic. Est-ce que tu nous fais saigner tout le monde? Non, tu vas tuer lui. J'ai eu l'hépatite C du choléra, je suis toujours debout. Oh, tambour de ruine, putain, il m'a déjà mis un CC tout à l'heure. Ton... Putain! Tu mets 19 comme ça, what the fuck? Quel génie, lui! Coup du boucher. Becken, ça va ou comment ça? Est-ce que t'aurais pas pris un peu cher là-dessus? Bim! C'est bien, ça c'est très très bien ça. Bravo Redar. Bout les chaînes sur l'autre, on s'en fout. Ce bruit de gorge profond. Quel bâtard. Tiens, mange. C'est bien. Ça me fait chier qu'ils prennent du saignement, lui, mais...
D'un autre côté, je peux rien faire. On sait où vous êtes. Ok. Du coup, là, malheureusement, on a un combat en passant par là. Après, on pourrait essayer de passer comme ça. On va prendre le combat, c'est pas grave. Mon chien va s'appeler Salopette en l'honneur de mon chien décédé il y a une année. On peut appeler le chien? Mais non, on peut pas appeler le chien. Putain, mais il a combien de saignements? Oh merde, le con. Oh, ça va qu'ils sont surpris, putain. Oh merde. C'est bien ça. Le chien est efficace. Bim, 11. Mastication. Oh, mais j'en ai marre des CC, putain. Encore infecté, mais t'en as pas ras le cul d'être infecté là? Putain, ils ont tous chopé le cancer, quoi. C'est pas possible. Donc, tout, on va dire qu'on s'en fout. Non. Oh. Putain, mais elle est triplement infectée, elle, hein. Être infecté, ça te rend différent des autres, putain. De toute façon, on va faire un feu de camp bientôt. On fait genre deux pièces et on feu de camp. Putain, il prend tellement cher, il va choper la maladie du cul en plus. Steph Lourdes chope pas la maladie du cul. Hein. Oh putain, non, pas ça. Oh, crochet, ça fait mal, c'est tellement chiant. Putain, je le savais que ça serait chiant. Oh non, la maladie du cul. Oh, le vertige, putain, c'est quoi vertige? Résistance au déplacement, Osef. Merci Watari pour 11 mois, hihi. Merci beaucoup Watari, des bisous. Merci beaucoup. Gros bisous Watari. J'ai vu des morts, c'est parfait. Il fallait absolument le tuer. Oh, pas le coup du boucher, putain. Oh, le 12 sur lui, c'est parfait. Mes veines sont en feu. Mais putain, mais il a infecté combien de temps, lui, putain? J'aurais peut-être dû essayer de le tuer, mais... Il va me vomir dessus encore, l'autre bâtard. Très bien. Salut Bigouné, ça va? Die. C'est bien. T'as lui, il stresse trop en vrai, putain. Il prend tellement de stress. Le 12. La healeuse a fait trop le café, putain. Non, mais cette équipe a fait le café, hein. Cette équipe a fait totalement le café, hein. Moi, j'aime bien cette équipe, hein. Les combos... De toute façon, lui, en combo devant, là, ça peut faire trop mal, en vrai, hein. Ils ont tous les deux résisté au saignement, c'est une blague, j'espère. Oh merde, le problème c'est que lui il joue. Oh, j'aurais dû tuer le mec de derrière, je suis débile. C'est pas grave, il meurt. Ah non, merde, j'ai plus le. Ah! Soigne-toi. C'est bien que la Vespa le joue là. Bah, évidemment, non. Y'a pas point S pas loin, non.
Il n'y a pas point S malheureusement. Les blasons, je pense qu'on va s'en battre un peu les couilles. Ou alors je campe maintenant. C'est pas une mauvaise idée de camper, je pense. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Empêche les embuscades nocturnes, ça on le fait directement. Et ensuite, il va falloir qu'on se déstresse un peu, là. Moins 15 de stress sur lui, là. Ça va. Bientôt un nouvel emote goldé, chapignon. Un table bizarrement assemblé contient peut-être quelques restes. La viande n'est pas entièrement cuite. Oh non, tu vas pas être infecté quand même. Putain, il a chopé le ténia. Steflours, t'as le ténia, putain. Steflours, il a chopé le ténia du cul, putain. Steflours, c'est pas vrai. T'as chopé le ténia du cul, putain. Il a chopé le ténia, putain. Il a mangé le poulet de ton frigo. Push on to the task's end. 750 d'or, c'est pas ouf à vrai dire. Après, c'est mieux que les jades à 375, donc on va prendre ça. Et le reste, on prend pas. Allez. Putain, t'as chopé le ténia. Pourquoi je t'ai fait vous plaquer ma patation? Oui, mais je sais pas. Vire la bouffe. Mais non, ça va pas. On reste sur des multiples. Mais non, mais j'ai paniqué, je vois, je fais n'importe quoi. Le vomi. Ah non, putain, il lui aussi va choper le... Il a déjà des maladies, lui. Ok, ça va. Lui, faut qu'il meure. Oh non. Ça va. T'as voulu le tuer. Mais non, mais j'en ai pas fait exprès, tu le sais bien. Putain, mais elle est tout le temps infectée du cul aussi, là. Tiens, mange, toi. Putain, j'ai aucun personnage qui a joué dans mon équipe, là. Tiens. C'est bien. Allô? Depuis quand elle heal que 3, là? Putain. Il a pris double... Ah oui, il a pris double riposte. Oh, mais c'est trop... La riposte, c'est beaucoup trop fort. Mais non, pas la maladie débilitante, putain, mais... Mais il est strio, il a tout chopé, quoi. Résistance à la maladie, moins 50%. Il va choper toutes les maladies du cul, lui. Mon stream ressemble beaucoup à Cobalt Streak, no offense, j'adore. Mon stream ressemble à Cobalt Streak. Ah, je sais pas, hein. Cobalt Streak... Est-ce que j'insulte mes viewers? Bon, bref. Ah merde, la mastication. Quitte à crever à moitié, tu veux pas manger ce truc chelou, quoi. Bon, elle va se soigner toute seule, hein, parce qu'elle en a marre. Mais non, mais putain, mais il joue tout le temps. Oh, il va se prendre la riposte, là. Oh, le bâtard. Il tourne. T'étais trop bien, il est strio, hein, mais... C'est pas grave. And another one. Bon là, la bouffe, on va la virer.
Comment ça je peux prendre ça? Bon, les portraits j'en ai déjà beaucoup. C'est beaucoup trop d'ailleurs. Bien plus qu'il ne faut. Dans, on va en jeter 3. On va se refaire un tas d'or. Oh merde. Bon, les blasons, on s'en bat les couilles. Évidemment, des portraits. Putain, full blason et portrait, quoi. En vrai, après, ramener 20 blasons, ce serait peut-être pas dégueulasse. Enfin, ramener un autre drop de blason, ce serait peut-être pas mauvais, à vrai dire. Ça jette les portraits, l'innocent. Faut pas jeter les portraits. Bon, je jette le sang. Tu vas pas choper la ch'touille, c'est bon. Stack les torches. Je peux restacker les torches entre elles. Mais non, c'est 8, c'est des paquets de 8 les torches. Bon, ça faut mettre des bandages dessus. Steflour, je suis sympa, je te fais pas toucher les couteaux à serrer. Pas trop de fight en vrai. Allez, BK, on y croit. Ça va. T'es toujours en galère pour up tes bâtiments, alors jette pas tes ressources. Ouais, mais c'est qu'en fait, les golds sont tellement importants aussi. Bon, genre les blasons aux F, quoi. Putain, encore un. Ça peut tellement mal se passer, ça, en vrai. Faut absolument qu'on commence à tuer les deux mecs derrière, là. Parfait ça. J'hésite même à essayer de bourrer lui, mais ça va pas passer en fait dans tous les cas. Il faudrait qu'on arrive à le stun, pourquoi pas avec elle. Si j'arrive à le stun, je suis content. Putain le bâtard. Blem! Blem! T'as lui les filles. En train de faire le café là! BK qui fait le café. Steph Lours pour la riposte. C'est parfait ça. Toi, on va te marquer ta mère, toi. Bim. On part un peu au fond. Là. Tiens. Ça fait mal, ça. Désolé, mais là, ouais, bon, là... Bon, là, t'as pris la douille, mais t'as pris la charge de sanglier aussi. Steflours. Steflours pour le kill. Bouclier dans les dents. Parfait, on peut te soigner. Ça, prends ton petit 12. Prends ton petit 12 et tais-toi. Je vous ai dit, mes équipes, elles sont trop puissantes. Oh, la citrine. Tant pis, on peut pas prendre la citrine. Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre ayant servi lors d'antiques rituels barbares. Steflour, c'est ce que tu crois. Est-ce que tu penses que la pierre sacrificielle, c'est pour toi? Moi, je pense que je suis gentil. La bras cassé team est utile. Non, non, allez, je suis sympa. Oh merde, non. Oh, ça va. Le tonneau contient des trésors cachés. Bah écoutez, chacun va avoir un petit bout à manger. Il y croyait? Je dis banco. Mec, tu serais 100% mort. Tu sais que tu serais mort, là. C'était fini. Hein. C'était terminé. On ne te voyait plus, là. J'aurais tellement aimé trouver une salle... Oh non, pas ça, putain. Ça va bien se passer. Croyez-moi, ça va bien se passer.
Bon, ça c'est pas grave, ça fout un peu de stress à tout le monde. Il résiste aux maladies. Comment t'as résisté aux maladies, mec? T'es pire normalement. Ça s'étourdit, ça? Difficilement, quand même. Ouais, évidemment. Comment t'as résisté à la maladie alors que t'as la maladie débilitante mangeuse de chair? Putain, j'aurais tellement dû le marquer, lui, mais bon, c'est pas. Ouh. Alors? Et pan, tonton! Allez. Ça dégage. Ça dégage. Tu veux mourir en héros? Mais non, mais tu mourras pas comme ça. Je m'en rappelle plus. Alors, pour les salles secrètes, dans ce jeu, on est obligé de les traquer genre au repérage. Ou genre des fois, tu peux les voir sur la map. Je m'en rappelle. Oh merde, il mange deux fois plus. Lui, c'est vraiment un fils de pute. Steph l'ours. Putain, vous allez me coûter la peau du cul à soigner, là. Est-ce que c'est possible de les voir sur la map? Je m'en rappelle plus. Est-ce qu'il faut faire attention? Tu peux les voir sur la map, ah ouais, putain, c'est chaud. Oh! Mon dieu! Oh, là, c'est banco, là. Là, c'est la run du banco. Alors déjà, on va faire le campement maintenant. C'est la run du banco, là. Hein. Ah, c'est banco, là. C'est tellement banco. ⁇ 100% impossible. J'en parle et ça tombe, quoi. Attendez, parce qu'il faut pas la louper. Ah oui, il faut cliquer au pif, putain, c'est vrai. Là, il faut une clé, on est d'accord. Oh la vache, ça coûte 3500, putain. Et une tête de Junia. Soin administré, plus 30%. Dégâts de stress, plus 20%. Soin administré. C'est quoi, soin administré? C'est genre... Soin administré, c'est genre on te soigne mieux, quoi. Soin donné. Ah oui! Ah oui. Ah oui, c'est pété. Mais elle va devenir complètement craquée, en fait. Mais c'est OP, healer. Ce sont les soins que tu vas faire. Oh, l'équipe de magie. Oh là là. Ah, c'est la Dream Team. C'est la nouvelle Dream Team. Les soins que tu reçois. Mais non, c'est les soins administrés. Soins administrés, ceux que tu donnes. Mais est-ce qu'on abandonne le taillissement ou est-ce qu'on peut le mettre sur quelqu'un d'autre en attendant? On peut le mettre sur lui pour le garder. Mon dieu. Bon, Steph l'ours, les couteaux, tout ça, on avait dit que non. Est-ce qu'on grille dans un dernier combat? Il nous reste techniquement un combat. Ici. Avec un trap avant. Avec trésor. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, à vrai dire? Au pire, on fuit. C'est impossible que ça se passe mal, de toute façon. Bon, déjà, ça fait chier, ça. Oh merde, saignement et tout, putain. Merde, alors. Mais vous mourrez pas au combat. À vrai dire, peut-être, en fait. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va bien se passer. Vous avez peut-être chopé 2-3 maladies. Ça va bien se passer. Merde, dommage, ça. Ça va bien se passer, calmez-vous. Voilà, c'est rien, ça.
Petit saignement avant de partir. Crochet où ça fait mal. Ça fait mal. Il faudrait pas mourir, hein. Merde, chier. Ça met quand même la marque et la riposte, c'est bien ça. Oh merde, je fais le pire heal. Le pire GA2 que je viens de faire là. Soit je fais signer tout le monde, soit je vais plutôt y aller comme ça. Faut pas qu'il file trop de maladies lui. Putain le bâtard. Esquive s'il te plaît. Oh, oh chier putain. Chope pas de maladie, t'en as déjà 50. C'est bien. BIM! Prenez rendez-vous chez votre médecin traitant dès demain. Non mais j'ai fait le... En fait si tu veux... Attends je vais te montrer. Je vais te montrer ce qui s'est passé. Tu n'as pour rien compris. J'ai fait 4, en fait, si tu veux, regarde. C'est écrit soin de groupe 2 ou 4. Du coup, j'ai fait un G à 2. Et derrière, en fait, avec mes plus 33% de soins administrés, plus 33%, ça a fait plus 50% et quelques. Mais si tu veux, là, si je fais un G à 4, enfin là, par exemple, j'ai dû faire un G, je sais pas, à 3, un truc comme ça. Il est pas mort, lui? Il a combien de vie, ce bâtard? Oh la Dream Team, putain, la Dream Team! Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Merde, j'aurais dû jeter des trucs, putain, je suis con. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ah, vous êtes vraiment des génies. Hein. Là, vous venez de faire la quête de l'année. Hein. La quête de l'année. Hein. La quête qui nous met plus 23 000 en gold, quoi. 24 000 limite. Dégâts de stress, moins de 5% si y a la malédiction Kramosis, on va le revendre directement. Ah, c'est la quête de l'année. Hein. Bon, après, par contre, vous allez coûter cher en maladie. Mais. Vous avez coûté cher en maladie. Mais grâce à vous, on est à 40 000 gold. Et ça, c'est beau. Attends, suite de ça, tu vas me faire croire que t'as pas guéri toutes tes maladies, là? Si, c'est vrai. Vous m'avez coûté cher, mais ça va. Voilà, plus de groupe, merci. Le When It Wonder. Alors, triomphe par niveau. Team Chat debout, il a la rage, c'était pas très grave. Par contre, Steph Lourdes, total ténia, ça casse les couilles. Et il est strio, il a toutes les maladies du monde. Du coup, vous deux, on va vous soigner. Il est strio, tu vas perdre ta maladie débilitante en espérant que tu perdes les deux. Et Steph Lourdes, tu vas perdre le ténia. En attendant, Redar, tu vas déstresser parce que t'es au bout de ta life. Très bien, vous écoutez un peu cher. J'ai raté SOTN, on sera demain parce qu'on n'avait pas trop le temps de faire du SOTN. En fait, 1h40, c'est pas une bonne session sur des jeux. Faudrait qu'on y jouera demain. On fera sûrement 3-4 heures des SOTN d'affilée demain après-midi. Il n'y a pas de souci. Très bien, du coup, qu'est-ce qu'on a à recruter là? De toute façon, notre équipe est pleine. On avait une arbitre hier. Rien qui nous intéresse, malheureusement. Et du coup, on a des contrats, des portraits, pardon. Les portraits, c'est pour la guilde, je crois. Soit on réduit encore le coût des compétences, ce qui est pas si mal à vrai dire, soit on attend de pouvoir acheter ça en fait. Mais ça coûte super cher, putain, mais comment tu fais pour farmer autant les... Je crois que pour l'instant, vaut mieux améliorer genre juste le prix. Incompris ce qu'il dit. Ok, donc faudrait qu'on vise du contrat, du blason et contrat. Blason-contrat serait pas mal. Darkest Dungeon, ça a recommencé une petite quarantaine de minutes, même pas.
Très bien. Du coup, on va peut-être pouvoir envoyer la vraie Dream Team. Est-ce qu'on renvoie la vraie Dream Team? Je pense qu'on va envoyer la vraie Dream Team. C'est-à-dire actuelle, tout ça. Non, pas là. On va renvoyer la vraie Dream Team, je pense. La vraie Dream Team qui va repartir au fight. Il a pas un quatrième sort pas mal, lui. Retire la marque, transférer le saignement, transférer l'infection soi-même, retire l'étourdissement. Attends, je comprends rien. Subir un. Se racheter. Soigne 33% de PV max, soi-même. Soigne 34%. Malus sur soi, dégâts moins 30%, etc. Saigne un point par tour en retour soi-même. Saignement 3%. Je comprends rien, putain. Le heal est cassé avec le flagellant. Lequel? Quelle compétence est cassée, Sinkinet? Dis-moi. C'est quelle compétence qui est bien avec lui, non? Le 5. Why not? Se racheter, c'est très bien. D'accord. Tu rends un tiers des HP à deux persos. Ah oui, putain, la vache! Ok. Est-ce qu'on a des breloques à vendre ou à acheter? Pas ouf. Nous, on en a sûrement à vendre, par contre. La malédiction cramoisie, ouais. Bon. Bah, les couilles. Ok. Du coup, eux, malheureusement, la Dream Team, on va s'en servir pour aller dans le... On va malheureusement se servir de la Dream Team pour aller dans l'extension. Donc vous allez aller dans la cour, malheureusement, les gars. Mais vu qu'on a pas mal de sang... Je sais pas combien il faut en emmener de sang. Est-ce que j'emmène le max ou pas? Pas besoin de torche, je crois. Ça sert à quoi ça? Torche recouvert de points, une torche spéciale, oui c'est ça. Non mais en vrai cette quête là on y était allé avec des niveaux 0, on l'avait presque gagné. 3 c'est bien. Bon, j'en emmène 4. 5. De toute façon je les ramène à la fin. Le sang. Le sang que j'utilise pas, je le ramène à la fin, on est d'accord. Le stress heal est pas mal aussi. Vous avez réussi, Steph. Donc ça, c'est des quêtes qui sont auto, comment dire, enfin, c'est tout le temps les mêmes, en fait. T'as plus le ténia. Enfin, attends, si, tu t'es en train d'être soigné pour ne plus avoir le ténia, Steph. T'es en train d'être soigné, là. The stoic melancholy of the moss-covered fountains and cherubic statues. Our salacious trysts have hidden in the hedgerows. Très bien. Morality slipping ever deeper. J'ai beaucoup de stream, ta personnalité, n'écoute pas les autres, mais surtout le plus important, à bien bouffer tes morts, grosse folle. Bonne nuit, ouais. Très bien. Alors, extraction du ténia à la main. Du coup, ici, il faut qu'on active 3 ruches de mes couilles. Ah merde, ils sont un peu stressés, à vrai dire. Mais ça, les torches servent à rien, puisqu'en fait, c'est une lumière de sang. Donc, let's go. Et les ennemis sont super chiants. Je crois pas trop. Voilà, c'est des ennemis bien galères. Sauf qu'évidemment, on arrive avec un niveau qui est pas trop trop mal, normalement. On devrait leur faire des bons dommages. Oh
Malédiction cramoisie, putain, ça y est. Merci beaucoup, Steph Lourdes, pour 5€, 5€ pour faire avancer la recherche sur le Ténia. Merci, ça fait plaisir. Des bisous. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc là, résistance à étourdissement, S1, PV max moins 10%, chance de vertu. Et du coup, si je lui mets du sang. Pourquoi il perd pas sa malédiction cramoisie? Il est pas censé. En lui donnant du sang, c'est pas comme ça qu'il est censé la perdre? Il me semblait que c'était comme ça. T'as pris admission à l'hôpital. Oh merde. Ils ont tous 12. C'est bien ça. Nope. Mais ça sert à quoi le sang du coup? Merde, je suis trop con, je viens de me chier en fait. Je viens de chier dans la colle? Putain, je suis le pire de tous. Faut attendre qu'il soit mal pour lui filer le sang. Oh putain, merde. Ah, oh, j'ai chié, putain. Prédigestion. T'allais dire que j'ai failli gagner cette quête avec des niveaux 0, quoi. Bon, bah, toi, tu vas prendre la douille, mon gars. Je me sens ça en plus juste la chose pour pas qu'il devienne, pour qu'il devienne pas fou. Putain, j'y comprends rien, en vrai. Bon, t'es 100% mort, toi aussi. Hop! The maddening whine of multitudinous wings abates. Let us hope that is the end of things. Très bien. La terre est imprégnée de sang à moitié coagulé qui nourrit apparemment ses fleurs vitales. Merde. J'ai pas encore tout compris non plus, je te rassure. Il fout le stress dans cet endroit, c'est ouf. Merde, c'était quoi les bails? Ah non, ça c'était des ennemis, ça. Putain, la taille du bordel! Fallait mettre du sang sur les fleurs avant de les looter, peut-être, je sais pas. Bim! C'est votre cas, ça. Hein. La soif. Ça se heal, ça, c'est trop chiant. Putain. Putain, le bon crit, quoi. Mi-hamster, mi-ours, c'est remi-hamster derrière. Toi, t'es 100% mort, et l'autre, il va se faire tuer par le bordel, hein, par lui. Paf. Si tu mets une torche classique dans ces cocons, t'as une grosse baisse de stress. D'accord. Bim. Unforgiving. Fatigué deck, car c'est le troisième live marathonique que je rate pratiquement à cause de la fatigue de merde. Ah. Bah, sorry, hein. De toute façon, il en reste encore 4. Donc. Putain, c'est super long. J'aurais lu que c'était si long. Placer l'occultiste en 3, je sais. Ah si, putain, faut mettre l'occultiste en 3, je crois. Ah non, plaque docteur est mieux en... Attends. Attends.
Ah non, c'est ça, faut mettre... Oui, il faut mettre l'occultiste en 3, oui, je suis complètement débile. Mais depuis le début, il faut que je mette l'occultiste en 3, c'est juste que j'ai oublié de le faire. Hein. J'étais très con. Hein. Oh la vache, 26 de stress, t'es pas sérieux. Ok. J'aurais pas dû la jouer comme ça, mais c'est pas grave. Tellement dit putain, tellement résistant la l'infection, ce truc, cette merde. Hein. Par contre, ça saigne bien, ça c'est bien, bien cool ça. Allez-y, mangez, mangez. Ah, puis là, faut commencer à choisir des chemins. Ah, putain, c'est cool, il y a une ruche. C'est pas si grave que ça, le Ténia, ça s'estompe avec la mort. Petit coup de couteau. Petit saignement. Il résiste au saignement lui. T'es sérieux, il avait 15%. Et mais voilà, c'est pour ça. Ah non. Je dis de la merde. Hop. On va galérer à finir cette quête en vrai. Ah l'autre, le plaque docteur est tellement stressé, ça fait tellement chier à vrai dire. Un puits bouillonnant crache un ichor cramoisi provenant d'une source maudite. Ouais, ça sent la merde quoi, je veux dire. Si je mets du sang là-dedans. Un puits bouillonnant crache un ichor cramoisi provenant d'une source maudite. Ça peut pas être bon de base, c'est la merde quoi. La fontaine maudite, c'est la merde 100%, quoi. Et je teste un sang dedans. L'objet n'a aucun effet. Non, mais c'était pas le sang. Putain, mais du coup, il m'a rajouté un fight, là, le bâtard. C'était pas le sang, malheureusement. Mais il stresse trop, arrête de le faire stresser, putain, c'est chiant, on va dire. Eau bénite pour la fontaine, hein. J'en ai pas malheureusement. Après, ils s'en sortent bien quand même. Quoi. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Merci Zobaki pour le follow des bisous, gamin. They can't be beaten. Ah, l'autre, il stresse trop. Il va tellement stresser, ce con. Il est tellement au fond de sa life, putain. Bon, je vais prendre le chemin du bas, mais... C'était sûr. C'était sûr. Y a rien. J'ai eu un repérage et y avait rien. Par contre, je perds pas mon plaque docteur sur ça, quoi. Mmh.
fait un peu chier ça quand même, hein. J'avais pas un sort pour taper les deux de devant normalement. Tant pis. Nice. Il passe son tour, ce gros con. Peut-être que le Plague Docteur, il aurait aimé sentir les roses. Non, mais ça, c'est trop particulier. Ça, ça marche jamais, ça. Putain, il rejoue son tour en premier, putain. Ils se sont heal de ce... Mais putain, mais non, mais c'est trop chiant, ça. Ils ont tellement d'initiatives qu'ils se sont heal toute la life, quoi. Enfin... Dégage, quoi. C'est bien, ça. Toi, tu as bouffé ta mère, voilà. Très bien. Putain, ça servait à rien de venir ici. Oh, les boulasses que je me... Putain. Putain, j'aurais tellement jamais dû aller là, quoi. Le sang, il me faut le sang. Mais il t'en faut combien du sang, putain? Putain, j'en ai filé deux, le mec est devenu fou. L'eau bénite, la fontaine, mais j'y retourne jamais, mec. Il est devenu taré. Bah après, dégâts plus 50%, ça fait plaisir, mais... Oh putain, non. Oh, c'est le fond. Oh, ça pourrait tellement mal se passer, ce combat, en vrai. Ça pourrait genre se passer, mais super mal, en vrai. La curse se soigne pas si simplement. Bah merde alors. Non mais arrête de passer ton tour toi, putain, mais connard quoi. Oh là là, faut une Black Candle. Oh, le plague, son stress est tellement présent, quoi. Oh, le placement casse tellement les couilles, en vrai. Oh non, mais arrête ça, putain. Oh, nice. Putain, ça peut être tellement compliqué. Je suis fichu, vous gâchez les provisions. Mais non, tais-toi. Donc là, en fait, je viens de foutre ma Dream Team en l'air en faisant cette quête, quoi. Allô? Une mystérieuse silhouette, pas totalement humaine, pas totalement insecte, s'agenouille ici sur le sol. Du sang pour trésor.
Enfin une raison de sourire. Pour abomination. Très bien. Voilà. Peut-être dû prendre une torche, moi, à la base. What the fuck? Attends, attends. Objectif de quête tout là-bas. Oh putain, mais on est tellement mal. On est loin du cul, là. On est tellement loin du cul, l'autre. Il est fou stressé. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Un crocodilien. What the fuck, les amis? Oh, faut que tu le ramènes. Putain, 35%, il est pas venu, quoi. C'est quoi ça? Dégâts plus 20%, protection plus 10%. Pourquoi il joue tous les tours? Ah, les plantes, c'est intuable en plus. C'est bien ça. Faut que je le marque. Go, infection, saignement. Ouais, mais le problème, c'est que mon plaque docteur, il est placé du cul là. Il passe son tour en plus. Ça, c'est pas bon, putain. Merde, il se heal quand il fait ça, c'est une blague. Tiens, mange-toi ça. Putain, esquive le bâtard. Oh la bâtarde, t'es mort. Oh là là, putain, c'est chaud quand même, hein. Pour une mission 1 de la cour, c'est quand même bien dur. Hein. Je vais être obligé de me soigner. Hein. Tiens. Oh la vache. Ça va, ça va. Passe pas ton tour, je t'en prie. Infecte-moi ce connard. Putain, il a... Ah oui, il a 80% de résistance à l'infection. J'ai quand même réussi à l'infecter, quoi. Oh la vache, 8, c'est beaucoup, putain. Putain la vache. Putain, si j'ai d'autres combats, ça va être compliqué, hein. Si j'ai d'autres combats avant l'objectif de quête, ça risque d'être chaud. Déjà, lui, il va mourir, en fait. Putain, heureusement, j'ai bien deux pelles, quoi. Heureusement que j'avais deux pelles. Bon, qui a quoi, là? Toi, t'as 100% de chance de désarmer, tu vas pas nous casser les couilles. Pas de combat, s'il te plaît. Bah non, il y avait juste écrit objectif de quête. Ok, nice. Putain, la vache. En plus, on s'est tout tapé. Hein. On a fait full client. On a fait le full client. Putain, et en plus, c'était la Dream Team. Hein. La Dream Team qui finit tellement mal du cul. In those younger years, my home was a hive of unbridled hedonism. A roiling apiary.
where instinct and impulse were indulged with wild abandon. A bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. C'est le lore. Half mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat in a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. Très bien. Ça rapporte pas grand chose en plus, malheureusement. Si, ça nous a rapporté quand même 20 blasons, super. Et un portrait, quoi. Et malheureusement, ils sont passés niveau 3. Mais bon, la team est. Voilà. La team a pris cher, quand même. Le hameau était restauré à ce niveau, à un niveau supportable de générescence une fois encore, cependant la dispersion de cette pestilence d'environnement voisinant semble inévitable. Toutes les régions connaîtront une infestation croissante. Oh non! Putain, chaud! C'est compliqué quand même. On a blast blason. On a buste plus blason. Alors buste plus blason. Les bustes, de toute façon, c'est fait pour augmenter ça, je crois. Ouais, voilà. On s'en bat un peu les couilles. Les maladies, à vrai dire, là, tout le monde est soigné. Tout le monde est bien. Bon, lui, ça, je sais toujours pas comment ça se soigne. Malédiction, chromasie, sauf 200. Comment on soigne cette merde, quoi? Comment on va pouvoir soigner cette merde? Regarde le stuff que t'as drop avant de dire que t'as rien eu. Ah, c'est vrai que j'ai drop un stuff de bouffon. Chance de malus 35%, vitesse plus 3 si en position 1, esquive plus 10 si en position 1, PV max moins 15%. Soin de stress plus 33% en accampement. C'est pas si ouf en vrai. Hein. Ça te permet de jouer un bouffon en position 1, c'est pas non plus, genre, c'est pas la vie quoi. Après, c'est peut-être la vie pour jouer des combos. Impossible de te dire comment soigner. Sans spoil. Clairement, le bouffon en position 1, c'est pas ouf. Hein. Ça vaut combien? Ça vaut 7500. Allez, salut. Pierre de dégâts. C'est pas si mal, ça va bien. On a 50 000 de thunes. T'as drop un autre truc aussi. Le bouffon bleed plus stress, il est beaucoup mieux, in my opinion. Bon, du coup, on va soigner un peu les mecs qui ont besoin d'être soignés. On va les foutre en réduction de stress, genre Tortank. Tortank, tu vas les déstresser. Azazel, pareil. Actuel, je sais pas trop si t'as besoin de déstresser, on va dire. Et Suetsa, qu'est-ce qu'il a? On peut pas le faire déstresser, Suetsa? Ah si. Les héros maudits qui partagent le même bâtiment, la même activité, peuvent transmettre la malédiction cramoisie à d'autres héros. Le partage d'activité est le plus contagieux. Non, ils partagent pas d'activité, tout va bien. Ça va, ils m'ont pas coûté si cher, finalement. Après, t'as un autre sort qui fait très mal, utilisable qu'en position 1, qui renvoie en position 4. Dans le doute, envoie-moi à la taverne. Tiens, de revendre l'item pété pour les bouffons. De toute façon, je joue pas bouffon. Osef. Et une petite dernière mission, du coup. On a 33 machins, là. Ah, il nous fallait des contrats, c'est ça? Pas mal.
Jamais est pire de ton perso bien polyvalent. Bouffon, c'est sympa, mais suivant le build, ça nique tes positions, faut adapter la team entière. C'est ça en fait aussi. Moi, Bouffon, c'est... j'ai tellement l'impression que c'est le truc le plus chaud à jouer. Et du coup, on a quoi dans la cour maintenant? Éliminer un baron. Vous avez besoin d'une invitation pour accéder à la cour. Très bien. Bon bah putain. Ah oui, d'accord. Ah oui, là ça commence à être vénère quoi. Fouet du baron, résistance au malus, 75%. C'est... ah oui. Mais ça doit être beaucoup trop chaud ça. Ça faut y aller avec une équipe niveau 4, genre vénère quoi. En vrai, on a une équipe niveau 4 vénère. On a une équipe niveau 4 vénère. Hein. Mais je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Après, on peut essayer d'envoyer. On peut essayer d'aller tuer le roi porcin sur une mission moyenne avec des niveaux 4. On a des très bons niveaux 4. Si on renvoie l'équipe qu'on avait avant, on est peut-être pas si mal, à vrai dire. Après, sinon, on peut y aller en mode. J'ai vu Talfrag passer 2 heures sur une run courte. Putain. Le problème, c'est que là, si on y va, on est obligé d'y aller avec lui. Plutôt une bonne équipe ça. Avec Monsieur Ténia. Ouais, Monsieur Ténia, il a plus le Ténia. Si, il y a des missions faciles pour monter les petits niveaux, mais là j'ai tellement de thunes que je peux me permettre de faire des missions un peu plus haut level. Semaine combien là? J'ai pas fait gaffe. Je suis semaine. Je sais pas si on peut le voir. Attends, si, c'est faut aller dans le. Dans le compte rendu là, c'est où ça? C'est où le compte rendu de la semaine? C'est pas ça. Je prends pas ta heal niveau 5. Je peux pas, c'est une mission niveau 3. Niveau 3, niveau 5, elle veut pas y aller. C'est ça, semaine 49. Le parchemin en bas, c'est ça. Ouais. Ouais. Tra, lui, il a rien en vrai. Y a pas des trucs. Flagellant, furie, médecin de peste. Pierre de protection. Esquive plus 4, vitesse moins 1. C'est peut-être pas si mal ça. Chance de déplacement plus 10%, vitesse moins 1. C'est vraiment de la merde ça. Dégâts plus 10%, esquive moins 4. C'est pas si mal à vrai dire. Dégâts de stress moins 10%, précision plus 4, esquive moins 4. À vrai dire, si j'y vais comme ça. Du coup, les esquives se cancel, je perds 1 de vitesse, mais je gagne 10% d'attaque. On a vu pire. Et lui, il a rien. Ok, c'est un autre gars qu'il a. Mais le trinket de soins appliqué au healer. Ah oui, on pourrait mettre au healer. Ouais, mais il a une esquive plus 8, puis c'est quand même pété en vrai. Ah, tu veux dire, on pourrait mettre ça sur lui 2 secondes? Ah oui, j'avoue, on pourrait. On pourrait reprendre ça pour l'équiper sur lui. Pour qu'il fasse des gros heals. Augmente leur stuff aussi à la forge. Je crois qu'à la forge, ils sont full stuff. Oh putain, pas du tout. Mais comment ils ont pu faire une bonne mission comme ça alors qu'ils n'étaient pas full stuff? Du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le maître chien ou Bakotaku? Moi, je pense que le maître chien, c'est mieux. Bon, après, lui, il fait chier avec sa précision moins 10 en 1. Augmente leur stuff aussi, hein, mes trinkets.
Précision moins 10, c'est vraiment pas ouf, quoi. Enfin bref. Mais tes trinkets, on va te les remettre. Vous allez vous les passer. Vous allez vous les refiler, en fait. Bon, est-ce que ça passe, le roi porcin, là? Je pense que ça passe. Allez. Falloir GG. On a 23 minutes pour GG. Bon, après, c'est pas très grave si je quitte après. Mais... Merci Kegan pour le follow, des bisous. Falloir GG, les gars. Ok, donc le boss est toujours au plus loin, on m'a dit. Donc on peut faire un comme ça, là. Il achète beaucoup trop de provisions, non? Je sais pas. Ah merde, vous êtes un peu stressé aussi, à vrai dire. Vous pouvez le faire, les gars. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est bien. Déjà, vous surprenez tout le monde. C'est cool. On reste sur une Dream Team, Dream Teamante. C'est très bien, ça. Vache. Oublie pas de taper le petit. Alors attendez, parce que moi le roi porcin, je me rappelle pas du tout des bails. Hein. Donc il va falloir m'expliquer. Sen, s'il te plaît. Merci. Dommage. C'est bien. En vrai, c'est quand même pété un peu, quoi. Toi, t'es déjà infecté, malheureusement. Allez, c'est parti. Enfin, me rappeler des strats, parce que moi, le roi porcin, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. J'ai pas du tout en tête les délires. Alors, toi, tu vas te antidoter la gueule. On va se remettre comme ça. Steph Lourdes, on croit en toi. C'est vrai que c'est le retour de Steph Lourdes dans le game. Hein. Malheureusement, ça prend le piège. Chier, putain. Oh la vache, vous êtes pas bien là. Comment que vous êtes pas bien? Je pense que ça... Oh non, putain, non, c'est quand ça commence comme ça, là, c'est pas bon. Ah, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon du tout, là. Là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est bien, c'est très bien. Allez. Allez, on y croit. Ah non, non, non. Oh la vache. Et il saigne en plus, le bâtard. Oh non. Putain, faut pas qu'il joue avant les autres. Qui est marqué? Personne n'est marqué là-dedans? C'est moi où ça commence un peu à puer la merde là? Okay. Mmh. Oh la vache. Putain, étourdi plus tout l'enfer du monde, quoi.
Non, c'est bon, ça meurt, c'est cool. C'est bien, le bouffon soigne le stress. Putain, il prend que 4 lui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'il veut charger du coup. Oh merde, j'ai plus de riposte. On va tuer lui, comme ça lui il va pouvoir tirer à bout portant. Ah non, il peut pas. Oh, c'est bien ça. Et on va pouvoir tirer à bout portant. On va te marquer, toi. Ça, tu te prends un bon vieux 22 dans la gueule. Into 8. Into, on va peut-être plutôt heal. Tu peux banco sur l'autre. Sur l'hôtel. C'est bien. On s'en sort. On s'en sort bien. Ça s'en sort bien. Ça peut banco l'hôtel, là. Vous êtes sûr? Genre, on peut banco l'hôtel, là. Pierre ayant servi lors d'antiques rituels barbares. Ok, très bien. Ça sert à rien. Non, 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 non. C'est mort. On est là pour tuer le boss. On va tuer le boss. Plutôt basé par là. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Le contenu du sac nous appartient. 1000 d'or. Là, si on pouvait dodge un combat, ce serait pas mal. Ok, c'est pas mal. Pas de repérage, malheureusement. On va aller là parce que je pense que le boss est là-bas. J'ai toujours pas de repérage, putain. Huddled together, furtive and vulnerable. Vas-y, vas-y. Bon, c'est quoi les strats contre le porcin là? Quelles sont les statistiques contre le boss? N'oublie pas le nonos pour le chien. Non, je vais pas l'oublier, vous inquiétez pas. Je l'ai en tête, le nonos. On va même sûrement utiliser les deux. Hein. Pas taper le petit. Faut pas taper le petit ou faut le taper? Il y en a un, il m'a dit de le taper. Les autres, ils me disent de pas le taper. Faut pas toucher le petit, non. Petit couinement. Résister, c'est bien. Bourrine le roi et pas taper le petit. Ne frappe pas le petit même s'il est chiant. Tue surtout pas le petit. Et bourrine le roi. Ok, c'est parti. Achève ces deux-là. Ah oui, il est chiant. Ah merde, la riposte. Merde, la riposte. La riposte. Non mais il aura pas le temps de rejouer. J'espère. Vous inquiétez pas. Il va pas retaper. Il faut que je fasse absolument... Faut que je joue maintenant. Maintenant, ok, c'est bien, ça on s'en fout. Faut que je joue maintenant avec lui, là. Joue maintenant, ok, parfait. Ah mais il a encore la riposte pendant un tour, le con. Non! Il est pas mort. Il est pas mort. Il n'est pas encore mort. Je pensais qu'on pourrait en refaire un. Mais... Non! Oh, il est mort. Oh, 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 oh la chatte à tam!
Là, je sais pas ce qui se passe s'il meurt, mais apparemment faut pas qu'il meure donc. Allez, venez. On lui a cassé la gueule en fait. Je vous ai dit easy. Je vous ai dit que ce serait trop simple. Compétence à distance, précision plus 10, esquive moins 2. Je sais pas trop ce que je fais là. Est-ce que je continue d'explorer ou pas? Je pense qu'on peut largement continuer d'explorer. En vrai, je sais pas si ça vaut le coup. En vrai, je pense que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'essayer d'explorer. Vive l'os et l'appel. Hop, 1 million sur la caisse dungeon. La banque s'est rempétée. Ah ouais? Putain, la vache. Il se passait quoi si le petit mourait en fait? Parce que là, du coup, on n'est pas si rentable que ça, mais en vrai, ça va. On se met bien, quand même. Ils passent tous level 5. Sans maladie, sans rien. Ça, ça fait chier. Ça, c'est bien. Ça, why not? In time, you will know the tragic extent of my feelings. Oh merde! Putain, il a perdu une breloque! C'est de ça, qu'est-ce que t'as foutu? C'est de ça, c'est calmé après sa furie sanguinaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a tellement de missions là, what the fuck? Si Optimeur, le gros devient vraiment pas content. Très bien. Putain, on commence à ramasse niveau 5. What the fuck, les amis. On va reformer la team. Mais non. Non, mais là, surtout, on va se diriger vers une fin de stream, les gens. On a un bouffon niveau 1. Du coup, on va virer le bouffon niveau 0. Là. Casse-toi. Viens là. On a 20 portraits. Les portraits, c'est pour la guilde, non ça? Ouais, il faudrait commencer à économiser pour avoir les sorts niveau 5, ce serait pas mal. Et ça, c'est quoi qu'il faut? C'est des... Ouais, c'est des contrats. Ok. Tu vas t'amuser dans les donjons niveau 5 et 6. Ouais, je pense qu'on va bien se marrer. Hein. On lance une mission, c'était trop rapide. Bah, si vous voulez, on peut envoyer une équipe nulle. Enfin, une équipe nulle. Ouais, on peut envoyer une équipe nulle, si vous voulez. Clique sur l'équerre en bas à droite. Je peux rien faire. Je peux rien construire, malheureusement. Ça coûte trop cher. Tout coûte trop cher. Mais 110 contrats, what the fuck, enfin, je veux dire. Non, mais Asrarn, je m'en fous. Joue bouffon. Non mais en vrai on va en faire une dernière, sauf que je regarde juste qui est-ce qu'il faut que je déstresse là-dedans. Je pense que Steflour, t'as peut-être mérité un petit déstress, mais je suis pas sûr. Un petit. Bon, le petit à 2340, peut-être pas en fait. Tu nous coûtes un peu cher au cul, Steflour. Hein. Non, tu vas pas du tout aller déstresser, Steflour, on s'en bat les couilles. Les breloques, uniquement pour lépreux, soins reçus, plus 20%. Plus 25% va sur suceur de sang. Le pentagramme. Merci Billoise et Smurfy. Non mais si vous voulez, on se fait une petite game niveau 0. Genre... putain, y a pas de courte. Si, on a une courte, là. On se fait une courte, si vous voulez, avec les mecs pas ouf, là. Genre, on peut envoyer Herbar, Miron. J'ai pas de recruter un bouffon niveau 1, si ça. On a le bouffon qui est niveau 1, on peut envoyer. On peut envoyer un comme ça. On peut envoyer ça. Et ça.
On n'a pas de healer du coup là. Ça heal ça ou pas? Est-ce que ça, est-ce qu'il peut heal lui? Est-ce qu'on la jouerait pas full, full bâtard en fait? Putain, quand ils sont comme ça, ils ont tous les sorts. C'est craqué du bénouze. En Curse of Darkness, oui, bien sûr. T'as réussi à pécho grâce à toi en parlant de ta streak sur Isaac, c'était trop improbable comme moment, je t'aime. Merde, what the fuck? Vas-y, raconte. Non mec, raconte, c'est du génie. Attends, on emmène qui là? Attends, il faut qu'on mette les bons sorts sur les persos là. Shuriken, je suis pas trop fan. Peut-être coup de grâce. Comment t'as fait? Je sais pas quel sort il faut mettre sur ça en fait. Je sais pas quel sort il faut privilégier sur un... Allez, une courte. Mais non, c'est du génie. Bah, c'est une meuf qui fait du roller derby. À un moment, elle a vu mon front d'écran, elle a balancé, mais c'est The Many of Isaac et bim. Ah, incroyable. Salut Oz au passage. Ça va? 81% des pièces. Putain, mais il y a masse pièces pour une... Merde, c'est vrai que... Putain, mais pourquoi j'ai pris des torches? On joue sans torches? Oh, le con! Bon, j'ai pas grave. Pourquoi je me tape des mobs comme ça? Non, 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 non! Mais non! Mais c'est dégueulasse! Ah, ok, t'imitais quelqu'un. D'accord, ok, pardon. Oh non! Ils sont déjà tous nommés, level 1. Ah non, faut les nommer, sœur. Nous allons les nommer, ne vous inquiétez pas. Nommons-les! Rename les persos. C'est vrai, on va rename les persos. Allez, allez, rename les persos. Les trois premiers, comme d'habitude. Catboy. Catboy, t'en as déjà eu un. Tip Tac, t'en as pas eu. Kellobs et Lord of Candies, vous en avez pas eu. Tip Tac, Kellobs et Lord of Candies. Tip Tac, Kellobs et Lord of Candies. Tip Tac, Kellobs et Lord of Candies. Alors, Tip Tac. Kellobs. Enfin, je crois que t'en as déjà eu un. Et Lord of... Non merde, Kellobs c'est avec un Z. Lord of Candies. Parce que lui il a déjà un nom. Ah non. Ah non, il en faut un autre. Mister Neus, il en a déjà eu un, je crois. Pandora Brock. Non, Catboy dit. Bon bah Catboy. Hein. Très bien. Putain, j'ai eu peur que j'allais autant me taper des mobs chiants là. Et finalement ça va. Back to the pit. Aïe. A powerful
Back to the pit. T'es salé as fuck. These nightmarish creatures can be felt. They can't be beaten. Ah, faut que je me mine quand même parce qu'il est bientôt 2h du mat. Oh putain, les araignées, c'est tellement chiant ça. C'est con. C'est pas ouf. Inspiration and improvement. Il est pas ouf les saignements de ça. Des non-subs qui ont le droit à un nom. Mec, actuel, t'as un perso qui est là depuis le 1, mec. Ton perso, il est là depuis 20 ans, quoi. T'as un double infection, ça fait chier, quand même. Pas te mentir. Back to the pit. Putain, c'est chaud tout ce que je dois me taper, quoi. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est GG Colvert. Hein. Et de rien. Oh, t'es sérieux, là? Si tu fais un perso en effigie, t'es sûr de win. Oh putain, mais non. Oh, ça fait chier, celui-là. Oh, ah, il est marqué, du coup il prend trop cher. Ah, oh, mais ça fait mal ça en fait. Ça fait super mal le machin. Ah, mais en fait, ils vont crever parce qu'ils ont pas de heal. Évidemment. Trop de combats, une run trop longue, ça fait chier. Bon, toi t'es mort. Agonie. Non mais t'es sérieux? Un étrange pouvoir. C'est mort. Repérage, c'est cool. T'as des combats partout, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas de maladie, s'il te plaît, c'est un vieux niveau 0, là. Mais ça peut être tellement fort, en fait, le Jester, j'avoue. Final, ça fait bien mal au cul, quoi. Mais mec, mais fais quelque chose de ta vie, sans, je t'en prie, quoi. Putain, s'il savait faire quelque chose, lui, on aurait déjà fini ce combat, quoi. Ça va aller. Malheureusement, s'ils ont faim, là, on va être dans le mal. Hein. Comment ça, il a encore mal au cul? Putain, mais c'est pas vrai. On a fait tellement peu de combats, on est tellement au fond. Oh merde, putain. Mechanical hazards. Putain, mais il y a une piège, what the fuck?
est en bois, putain. En espérant qu'il n'y ait pas de fight. Bon bah rip. On se casse, 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 on se casse. Putain, on se casse, j'ai dit. C'est bon. Joseph, on s'en bat les couilles. De toute façon, je vais les virer. Hein. Enfin, quoi que lui, ça fait chier les niveaux 2. On teste en passant par là, si c'est la merde. Hein. Oh! Loyauté! On peut tous les virer, ils sont pas rentables à soigner. La mission de la vie. Combien on se fait là-dessus? 10 000. On se fait 10 000. Plus un truc pour maître chien. Esquive plus 4, vitesse plus 1, résistance au malus moins 1%. Ouais, bon. C'est pas ouf. Tétanos, putain. Non mais lui, on va être obligé de le virer malheureusement. Seul le bouffon est loyal. Irrationnel, ça me convient bien. Peut-être pas le bouffon. Le bouffon, peut-être pas. Quête narrative, des loups aux portes. Ok. Bon, c'était pas terrible, mais grâce à vous, on est à 50 000 gold, donc c'est pas mal. 50 000 gold, c'est cool. Mais du coup, on va devoir vous virer un peu quand même. Ouais. Genre Lord of Candies, malheureusement. De toute façon, on a un meilleur lépreux que toi, non? Ouais, on a Simkinet qui est bien. Malheureusement, ça, c'est plus possible. Hein. Trop de stress, trop de tout. Catboy, pareil, trop de stress pour que dalle. Malheureusement. Tip-Tac et Kelob, je serais chaud pour les garder. Il a pas eu de maladie. Bon, il a eu baisse les bras, compétence au corps à corps. On s'en fout du corps à corps. Esquive moins 5. Ah ouais, ouais. À vrai dire, le Jester, je serais plutôt chaud pour le garder. Au pire, ils doivent pas coûter très cher à déstresser, je pense. Tu vois? Ah si, quand même. Bon, vous coûtez 2000. Ça va. En vrai, ça va. Surtout qu'on récupère un chasseur de primes niveau 1. Ainsi qu'une Vestale niveau 1. Donc ça va. Finalement, ça va. Putain, mais il faut tellement de trucs, c'est ouf, quoi. Je vis. Bon bah voilà. Je crois que la session est plutôt... On a perdu personne. On a fait du gros profit. On est passé à 45 000 K thunes. Ça va. J'ai des trucs à vendre, je crois. Mais autant commencer à garder des breloques. Si vous regardez bien, en vrai, j'ai des héros. J'en ai pas perdu tant que ça. On peut voir tous les morts là, non? Hein, c'est où? Y'a pas un endroit où on peut voir tous les mecs décédés? Où est-ce qu'on voit les mecs qui sont morts? Consulter les mémoires ancestrales. C'est pas là qu'on est censé voir les mecs qui sont décédés? J'aimerais bien voir ça. Non mais on va pas rejouer là, il est 2h du mat. Cimetière, il est où le cimetière? Putain, je dois être aveugle. Cimetière au fond du village. Ah oui, c'est là. J'avais perdu Gourdin, semaine 14. On a perdu Enoch, semaine 30.
Pédigré, semaine 32. Joe l'épée, semaine 32. Dupont, semaine... Ah ouais, ça a été une mauvaise expédition, ça, je crois. Et après, voilà, depuis qu'on a recommencé à jouer, on a perdu Shisheyus, Kija, Bastien, Drazeb avec Trizer. Putain, Drazeb, il a eu une belle tombe, hein. Putain, il était niveau 5, le con, putain. Putain, Drazeb, oh là là. Putain. Putain, on a perdu Drazeb, quoi. Putain, on a perdu Bastien direct, quoi. Ah, Dupont et Joe l'épée, c'était... Ah oui, Dupont, Pédigré et Joe l'épée, c'était quand on avait repris. On a rien perdu de grave. Fils qui gère et Bastien, les piliers, putain, on est tous morts, quoi. S'ils sont morts, c'est que c'était pas les meilleurs. Ouais. Bon allez, troisième jour de Marathon Week terminé. Du coup, je vous engage à parler sur le chat si vous voulez faire partie du snap de fin. Moi, je vais vous faire des bisous. Je vous laisse, hein. Je vous reste 2 secondes. Hein. Allez, troisième jour de Marathon Week terminé. Voilà les gens qui sont encore là à 2h du mat. On se retrouve demain pour la suite, sûrement d'une Symphony of the Night sur PS1. Des gros bisous, à demain. Allez, sur ce, moi je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire merci à tous d'avoir suivi. Merci pour tous les follow, dont sub, resub, beats. Il y a eu beaucoup de choses ce soir, encore une fois. Et je vous en remercie énormément. Puisque, évidemment, voilà, Marathon Week avec du support, c'est vrai que c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. C'est quoi, mon Snapchat, c'est Shisheyu, hein. Si vous voulez mes réseaux, de toute façon, vous faites sell out et vous avez tout ce qu'il faut. Raid Zerator. Non, mais je raid personne, moi. J'ai pas trop envie de raid. On va faire un petit host. On va faire un petit host tranquille. On va host... Amo, allez. Il y a Amo qui est encore sur ce jeu aussi. Du coup, on va host Amo puisqu'il joue au même jeu. Et puis bon, bah lui, il a pas autant de vues que Zerator, quoi. Allez, à demain. Demain, 16h pour la suite. Des bisous. Merci à la modération. Merci à la modération. Merci à la modération. J'ai failli oublier.